the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs, vous qui avez bien sûr pris l'habitude, cette très bonne habitude bien sûr, d'aimer Fond Musical, vous le manifestez par vos conseils, mais aussi par vos messages et appels. Voilà, nous sommes fiers, tellement fiers de vous que nous ne savons pas comment l'expliquer, comment l'exprimer aujourd'hui. Et main droite sur le cœur, nous vous aimons tant et vous, nous vous dédions encore une fois de plus cette très belle émission Fond Musical. Fond Musical se poursuit comme vous le savez bien, nous amenons toujours, voilà, sur ce beau décor, des musiciens, des chantres de l'Éternel, mais aussi des chrétiens, voilà, hein, des chrétiens, des adorateurs, ceux-là qui ont jeté leur dévolu sur le Seigneur, et le Seigneur les a aimés, les a appelés vers lui afin de le servir. Ceux-là, ils sont les bienvenus dans cette émission afin d'expliquer la quintessence, bien sûr, de leur chant. Voilà pourquoi, en ce jour, nous avons invité pour vous. Nous avons invité pour vous un homme bien, hein? On l'appelle l'homme de Ukola. Voilà, il s'appelle Francis Kazadi. On l'appelle également Balister Kazadi pour les intimes, mais aussi Ukola. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Cédric, vous allez bien? Oui, ça va. Que Dieu vous bénisse, vous m'avez tellement bien fait par la présentation de l'émission déjà au début. Que Dieu vous bénisse, vous m'amenez dans le bain quoi. Bien sûr. Merci. Voilà, c'est vous. Oui, c'est bien moi. C'est vraiment vous. C'est bien moi, frère Francis Kazadi, votre frère. Vous avez toujours l'habitude de voir deux fois à la télé, aux côtés du frère Mike Kalambay, chez Kina Musique, là. Maintenant, avec le groupe Camp de Jésus-Christ, nous sommes très présents avec les cantiques Ukola dans vos chaînes radio et à la télévision. Dans des maisons aussi. Dans nos maisons, oui. Et Balister, Papa Cédric, on est dans le Chimbula Mambo Mwachi. Quand il n'y a pas de Kitofu. Ah bon, il n'y a pas de Kitofu, ça n'a pas. Bon, j'ai vu que depuis un temps avec le Seigneur, dans mon parcours déjà au début, chaque fois je marquais le temps comme ça, on me donnait des petits surnoms. Et ça, je l'avais eu de mes grands frères, de mes aînés à l'école. Moi, j'étais en première et j'étais en sixième et ils désiraient tant m'amener dans leur milieu là de grand. Alors qu'il m'avait surnommé Francis Balister. Et c'est resté comme ça. Merci beaucoup, frère Francis. Et vous aimez ça? Oui, bon, ça me rappelle la belle époque, ça me rappelle une époque de ma vie, donc j'aime bien. C'est pas ça. Mal, bien sûr. Non, 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 c'est pas mal. Voilà, nous parlons de l'une des chansons phares dans laquelle vous êtes intervenu. Oui. Ukola. Oui. C'est votre chanson? Bon. Une réadaptation, je dirais, pour être plus franc, plus sincère. Ah, vous êtes sincère, hein? Une réadaptation de la chanson Ancient Wave. Ancient Wave, voilà. Oui, de Michael. Vous anticipez ma question. Parlez-nous un peu des contours de cette chanson. Oui. Voilà. Comment êtes-vous parvenu à adapter ça? Oui, c'était lors d'une prière que nous avons généralement l'habitude de faire chez nous à l'église. Chaque fois au mois d'avril, déjà ce mois d'avril, le premier, nous serons dans la prière d'offensive. C'est une prière qui nous prend un mois. On était dans la prière, pendant qu'on priait, j'avais entendu notre clavériste en train de faire de solfier la mélodie. Et directement, ça m'était venu à l'esprit de chanter ça comme ça. Ukola, ukola, ukola. Et c'était parti, c'était merveilleux. Ça va amener les gens dans la présence, dans la louange, dans l'adoration, dans une forte prière. Et depuis lors,
on avait essayé de réadapter, d'arranger les chants. C'est un très bon chant. Et que Dieu soit loué. Vous l'avez chanté en Kilouba. Oui, oui, on a chanté en Kilouba, Kilouba 4. Vous avez mélangé aussi. Oui, il y a le Kilouba, il y a le français, il y a le portugais à l'intérieur et les Lingala aussi. Mais les toutes premières paroles là, oui, en Kilouba, vous dites quoi? Nous disons que notre Dieu, tu es saint, toi que nous devons craindre et redouter. Tu revêts la gloire comme un vêtement. Tu es saint, Seigneur. C'est venu comme ça ou bien c'est juste des phrases ou... Non, 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 non. Ce ne sont pas de phrases qui montent gratuitement du cœur. Le problème, c'est que nous ne devons pas chanter Dieu, mais nous devons chanter pour Dieu. Reprenez. Nous ne devons pas chanter Dieu, mais nous devons chanter pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas être un thème d'une chanson, mais Dieu doit être une vie que nous devons mener. Je m'arrange, hein? Donc Dieu, ce n'est pas une thématique. Parce que chanter Dieu, vous allez tomber dans ce que la Bible dit, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Ça veut dire, quelqu'un qui fait la musique profane peut aussi chanter Dieu. Il peut exploiter les thèmes de Dieu, il peut chanter Dieu. Mais Dieu n'est pas une vie en lui, tu vois. Il ne vit pas Dieu en lui. Il est Jéhovah, Rapha, parce qu'il a lu dans la Bible, il y a beaucoup de Adonai. Il y a beaucoup de chansons comme ça chantées par ceux qui font la musique mondaine. Deux fois, ils n'ont rien à voir avec Dieu, ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucune relation d'intimité avec le Seigneur. Ils n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tu verras qu'ils développent un thème, mais quand tu essaies d'écouter, c'est vraiment la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Là, ils chantent Dieu, mais ils ne chantent pas pour Dieu. Vous chantez pour Dieu? Oui, nous chantons pour Dieu parce que d'abord notre vie, c'est déjà le chant. Tu vois, nous nous efforçons de craindre, de servir Dieu. Et pour que Dieu trouve plaisir à ce que nous lui faisons. La Bible dit la louange convient à des saints. Ça veut dire que ce n'est pas toute personne qui doit louer Dieu et amener Dieu à agréer cette louange. Ça veut dire qu'on peut chanter Dieu, on peut développer un thème de Dieu, mais Dieu ne prend pas plaisir. Quand Dieu te regarde, il n'a rien à voir avec toi. Avec toi. Tout ce qu'il reconnaît, c'est que celui qui t'a créé, celui qui t'a donné le souffle de vie. Mais quand on doit chanter Dieu comme un service, comme un sacerdoce, ça veut dire, en tant que sacrificateur, nous devons réunir les conditions qui fassent que chaque fois qu'on ouvre la bouche pour chanter, Dieu se sent honoré, se sent adoré, se sent interpellé par un sacrificateur, par quelqu'un qui l'a oint pour faire ce travail. C'est pour dire que le cœur de l'adorateur vaut mieux que les paroles de l'adorateur. Oui, le cœur de l'adorateur vaut mieux que les paroles de l'adorateur. Pourquoi ? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est rempli de Dieu, tu vois, lorsque Dieu est dans notre cœur, ça veut dire en d'autres termes, ce n'est pas toi qui adores, c'est Dieu lui-même qui s'adore. Parce que celui qui est plein, qui remplit ta vie, celui qui est en toi, au travers du Saint-Esprit qu'il nous a donné, l'onction de Dieu qu'il a disposé en nous, le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ en nous. En d'autres termes, nous ne sommes qu'une enveloppe, c'est Dieu lui-même qui s'adore parce que celui qui est plein en nous. Et c'est ce que nous devons beaucoup plus rechercher. Les cœurs, Dieu dit donne-moi ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viendra les sources de la vie. Donc le cœur, c'est ça. Et dans Romains, je crois 8, si je ne m'abuse pas, on dit offrez vos cœurs, offrez vos corps comme de sacrifices saints. On dit d'abord saints, et puis vivants, et agréables. Tu vois, c'est-à-dire lorsque tu es saint, il y a la vie de Dieu en toi, c'est alors que tu es agréable à Dieu. Et quand tu te mets à chanter, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à prêcher, quand tu te mets à servir le Seigneur, tu as réuni toutes ces conditions. Ça veut dire que tu invites Dieu. Dieu se sent adoré, servi par son serviteur. Ukola. Oui. Ça signifie? Ukola. Ukola signifie saint. C'est Ukola, Ukola. 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 Ah, oui. Vraiment le. Voilà. Merci beaucoup pour la connexion. La diction Lubakat, c'est Ukola. 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 Voilà. Qui veut dire saint. Mutakatifu Oli Mosantu Santo. Wachijila. Wachijila. Donc voilà. Musantu, comme vous voulez. Moyenge Bene. Oyazapole, tout ce que vous voulez. Là. C'est vraiment... Vous êtes en train de lui dire ce qu'il est. Nous lui disons ce qu'il est. Mais beaucoup plus une bonne expression, c'est ce que d'abord nous sommes pour lui. Tu vois, c'est ce qui compte.
dire à Dieu tu es saint, ça ne suffit pas. Mais il faut que toi-même tu sois d'abord saint pour lui dire tu es saint. Tu vois? Donc c'est beaucoup plus le concept, l'idée principale, que le message principal. Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment, ça ne sert à rien de trop crier, ça ne sert à rien de dire Adonai alors que vous ne vivez pas selon que Adonai peut bien sûr se plaire de vous agréer dans sa présence, mais il faut travailler sur son cœur, sur sa vie personnelle afin qu'elle soit conforme à celle du Seigneur pour ainsi lui plaire. Alors il y a certains termes qui reviennent souvent en Kiluba. Oui. Il y a par exemple je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Il y a Nguele Wabutonge, Kiadi Kakilonda, Wamesua Lubimbe. Est-ce que vous pouvez nous aider un peu à... On est dans Apocalypse 1, à partir du verset 14. L'apôtre Jean, on peut prendre même 13, il dit, au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or à sa poitrine, sur sa poitrine. La ceinture d'or sur sa poitrine, c'est ça ce que nous disons Wakiaji, Wakilonda. Pas Kiakilonda. Wakilonda. Ok, voilà. Quand tu dis Kiakilonda, ça veut dire c'est déjà ce qu'il y a. Mais là, c'est une comparaison qu'on est en train de faire. Vous voyez? Il dit Wakiaji, Wakilonda. C'est ça. Il a une poitrine sur laquelle se pose une ceinture d'or. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Et on dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche. C'est ce que nous disons, Wanyuele Wabutonge. Vous voyez? Wanyuele Wabutonge. Donc, c'est ce que ça signifie. La tête et les cheveux étaient tellement blancs comme la laine blanche. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est pourquoi on dit Wameso Waluvimbi. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et ses pieds étaient semblables à l'airain ardent. Maoulou, c'est ça le pied. Wamikuba, c'est ça l'airain ardent. Vous voyez? Donc, c'est ce à quoi un peu notre Seigneur Jésus-Christ ressemble dans la vision de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est une expérience qu'il faudra vivre. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez vivre une expérience personnelle avec le Seigneur afin que vous puissiez le décrire selon ce que vous avez vu. Voilà. Abraham l'a appelé à Jéhovah Jiré parce qu'il a pourvu, bien sûr. Vous pouvez le surnommer comme oui, vous selon, le vivez. Selon que vous avez vécu sa main, sa gloire, sa présence, tu peux... Je peux te dire pendant Jira, comme on l'a toujours dit, et tu étais bloqué au fond du gouffre, chemin. Et Dieu fraye un chemin, tu passes la tête haute. Tu t'es dit non, pendant Jira, c'est celui qui nous fraye le chemin. Ouais. Voilà, frère Francis, papa, vous êtes plus spirituel dans ces champs. Plus spirituel dans ces champs. Bon, je ne sais pas, plus spirituel, ça veut dire quoi? On dit, on m'a raconté que quand vous chantez ce chant, il y a beaucoup de manifestations. Oui. Bon. C'est dû à quoi? Ah, bon, je ne dirais pas que ni chien ni mamaombi, ni chien ni boka boamungu, bile bintu biote binapache qui t'accompagne ou agatino afwa kajamu. Mais ce que Dieu fait, ça c'est lui-même qui se décide de faire. C'est lui-même qui prend la résolution de faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a toujours fait. Chaque fois que nous chantons ce cantique, il y a des fois que tu peux te sentir affaibli. Tu te mets à chanter et tu sens que Dieu te restaure. D'abord toi-même qui chantes et il accomplit des choses. Ce que Dieu fait, ça c'est lui-même. Mais en tant que mutumishi wa Mungu, awezi kutumikia Mungu pasipo kuomba, pasipo ile vie ya discipline ya maombi, pasipo kusoma maandiko, haina pas kusoma neno pour avoir la connaissance, mais mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça l'important dont Dieu a besoin. C'est de cette manière-là que Dieu nous forge. Dieu forge nos caractères, nos faiblesses. Donc, ce que Dieu fait, ça, c'est lui-même qui décide de faire.
Oui, mais seulement nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et cela ne peut pas faire de vous orgueilleux. Non, papa Kiburi, Nkianini. Nkianini, Kutumikia Mungu. C'est une grâce que nous avons trouvée. C'est un privilège que Dieu nous fait. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. Non, non, c'est très faux. Et chaque jour que nous travaillons, nous devons comprendre que Dieu nous remplacer, c'est la moindre des choses qu'il doit faire. Même à cause de ça, ah bon? Humilions-nous. Ouais. Humilions-nous. Dieu nous remplacer. Pour tout remplacer, j'ai. C'est la moindre des choses que Dieu puisse faire. Vous avez remplacé quelqu'un? Non, bon, je n'ai pas remplacé quelqu'un. Je parle beaucoup plus de moi-même et de tout serviteur de Dieu. Parlez au copain. Bien sûr. Tout ce que Dieu fait avec toi, vois que c'est la grâce de Dieu. Ne fais pas la grosse tête, ne t'enorgueillis pas. Parce qu'un jour, Élie dit, Seigneur, on vient de tuer tous les prophètes. Tu vois? Le Seigneur lui dit, il y a encore une réserve. En cachette, bien sûr. Tu vois? Ça veut dire, quand tu sers Dieu, c'est un privilège que tu as reçu. Saisis ce privilège. Saisis ces moments-là. Sers-le avec crainte et tremblement, comme la Bible dit. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. C'est un privilège. Tu n'es pas le seul. Si Dieu veut te remplacer, à ta cour remplacer, au tashkia, aïa, on t'a comprendre qu'on est indispensable à Panam Kaziamou. Un conseil très, 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 très important, très cher téléspectateur, vous qui continuez à nous suivre. Voilà, nous pensons au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba Chamboui qui nous soutient beaucoup. Nous pensons également à toute la grande équipe de fond musical, sans oublier Baniel Ndila, Armelia Ndila ainsi que Tatiana Ndila. Nous sommes en train de cheminer vers la fin. Oui, alors, ce chant contient combien de couplets, combien de refrains? Oui, le chant contient bon, un seul refrain mais chanté dans plusieurs langues. Le refrain c'est Ukola, Ukola, Ukola. Donc, on a chanté en Lingala, en français, on a chanté en portugais comme on l'a dit. Est-ce que vous pouvez faire la partie en portugais? Santo, Santo. Santo, 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 et El Signore. Oui, c'est un peu en portugais, mais le couplet, il y a pratiquement le premier couplet, il y a deux couplets et des paroles avec lesquelles nous accompagnons le chant. Le premier couplet dit quoi? Bon, le premier couplet, c'est beaucoup plus, nous disons seulement Saint, Saint, Saint et le Seigneur, le Tout-Puissant. On dirait dans tout ce chant, oui. Vous n'avez chanté que Saint, Saint, Saint. Vraiment, c'est ça. C'est vraiment beaucoup plus de contenu, c'est ça. C'est tout tourne autour de la sainteté de Dieu. C'est vraiment qu'est-ce que vous poursuivez en donnant ce message très puissant au peuple de Dieu qui vous suit? La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Vous voyez? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça ne sert à rien d'avoir une église où celui même qui nous conduit ne craint pas Dieu. Ça veut dire, vous voyez? Ça ne sert à rien de servir Dieu parce qu'on a reçu les talents. Mais il faut d'abord préparer son cœur. Et le dernier temps, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la fin. Le Seigneur revient bientôt. Et c'est avec la sainteté, la sanctification que nous allons voir le Seigneur, que nous aurons accès au repos éternel que Dieu nous réserve. Le plus grand message, c'est qu'avant que tu adores, avant que tu sers, avant que tu fasses toute œuvre du Seigneur, prépare-toi d'abord, sanctifie-toi, marche dans la crainte de Dieu, bats-toi pour plaire au Seigneur. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est tout ce dont Dieu a besoin. Alors, ça ne sert à rien de dire « saint ». Pendant que tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne sers pas Dieu selon les normes du Seigneur. Papa, pour parachever, on ne sert pas Dieu comme on veut le servir, mais nous servons Dieu comme lui veut que nous puissions le servir. Ça veut dire celui qui nous embauche, celui qui nous donne la ligne de conduite que nous devons suivre. Et cette ligne de conduite, comme une personne mise à part pour le Seigneur. Celui qui ne vit pas selon le siècle présent, mais celui qui vit selon ce que Dieu veut. Dans ce siècle présent. C'est ça le message. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien avec le frère Francis Kazadi, celui qui a
réadapter ce chant Oukola, Oukola que vous aimez d'ailleurs, Saint est le Seigneur, bien sûr, c'est la thématique par excellence de ce chant. Et comme il venait de le dire, être saint, c'est, ça veut dire être mis à part, hein? Mis à part pour le Seigneur. On ne sert pas Dieu selon que soi-même on le veut, mais on doit le servir selon que lui-même nous donne les directives pour le servir afin de lui plaire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans ce chant que vous voudriez bien dire aujourd'hui à nos très chers et aimables téléspectateurs? Aïe, aïe, aïe. Bon, ce que je n'ai pas dit, je crois que j'ai tout dit dans le chant. C'est que je peux être en mesure de dire, c'est que Dieu me donne de dire. C'est ce que je peux dire. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites merci à Rolly Chibanda qui nous réalise de la plus belle des manières, bien sûr. Dites également merci à toute la grande équipe composée, bien sûr, de Nixon Bukasa, Sylvain Mutombo, Arsène Mwanza, ainsi que Steve Kapia. Je vous aime bien, c'est pourquoi je vais vous retrouver la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Bye bye. Nicolas. Ave ufanyi nwe kuchinu ane kwa kama Uvwele ntumbo wa kisanji Wetuleze Aleluya Ukola 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 Wabukomo Gonso Ukola 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 Wa ukomo Ukola, ushikete pa matenuwi. Mudu ipalupo na love, manshike tulo jawe mawe. Awe wapangile juru wapangale ntano. Bitu bimweka nege bimweka. Mwana mukoko waleza. Awe kita kwa jabumi. Wachiko uchiko neuke. Tumbo iowe awe enka. Tu china ne kwa kamwa Ukola Uwe tuleza Ukola Uwabukomo Leza wi ukola Shikete palu ukona Lobe lwa ntumbo Amwike ulu Bela bilukwa bakutendela Ukukune mwinya bembamba wiukora Ukola, we tuleza, ukola, 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 ukola,
L'apôtre Jean voyait la vision du trône. Il dit, aussitôt je fus ravi ton esprit. Je vis dans le ciel un trône et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'arc-en-ciel, semblables à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, de voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits des dieux. Il y a encore devant le trône comme une mer de fer, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième, il est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant, il est semblable à un aigle qui vole. Et le quatre être vivant en chacun six ailes, remplit Dieu devant et tout autour. Il est cesse de dire huit à jour. Je veux que tu adores Dieu comme tu le sens dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Dis des belles paroles d'adoration.